Salut! Du coup, on se retrouve pour le jeu Life is Strange. Donc, c'est un jeu d'aventure dans lequel on va incarner une étudiante en photographie qui s'appelle Max Caulfield. Et on va enquêter en fait sur la disparition d'une adolescente. Et du coup, on aura un petit pouvoir qu'on découvrira dans cet épisode. Hola Bébido, ici, copilote. C'est comment la pépita. C'est Life is Strange, c'est en gros un jeu où on incarne Max, étudiante en photographie, et en fait, on va enquêter sur la disparition d'une adolescente. Ok. I'm in class. Everything's cool. I am okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Because of her images of hopeless faces, you feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as tortured, right? And frankly, it's bullshit. Shh, 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 shh. Keep that to yourself. I can't believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. But I do love my analog camera. I should take a quick picture now. Isn't that too easy? Too obvious? I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? J'ai grave dérangé le cours. Maintenant, il m'interroge. Mm.
moi. You're asking me? Let me think. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Why? Very good, Victoria. Je prends pour qui? The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s. My little camera bag is battered, but still kicking. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. You I haven't kept up. Il y a plusieurs personnages avec leur biographie, disons. Du coup, on a Max. Alors, je m'appelle Max Caulfield et j'ai toujours voulu devenir photographe. Je vois le monde à travers mon propre objectif. C'est certainement ma meilleure. Ah mais attends, c'est un gars. Ma manière d'en faire partie, non? Tout en gardant mes distances. C'est une fille. Ah ok. J'ai toujours été plus intéressée par les appareils analogiques que par les technologies numériques. Bah oui, j'apprécie tous les styles et techniques. Attends, mais les selfies instantanées sont ce que je préfère. Je me fiche de ce que je pense, de ce que pensent les autres. Je suis bien accompagnée, non? Et me voilà revenue sur ma terre natale pour l'étudier. La photographie à l'Académie Blackwell. Oui, tu voulais dire quoi? Oh, je voulais juste te faire chier. Ah d'accord. J'ai même décroché une bourse. Quand je suis partie, j'ai laissé derrière moi ma meilleure amie pour toujours. Enfin, si c'est toujours valable après 5 ans. C'est trop bizarre de ne pas l'avoir vue depuis mon retour. Enfin, j'ai 18 ans, je suis donc officiellement adulte maintenant. Même si je ne me sens pas vraiment sage au mur, je suis prête à commencer une nouvelle vie ici. Mon appareil photo rétro à l'épaule. Ouistiti. On a Mark Jefferson. C'est un des meilleurs photographes du monde et mon professeur. Si je choisis Blackwell, c'est surtout pour lui. On n'a pas souvent l'occasion d'avoir l'un de ses modèles comme enseignant. J'ai toujours adoré son style art et déco et gothique. Et il est vraiment polyvalent. Des magazines au marketing publicitaire. Mais il peut être parfois un peu hautain. Il est plutôt cool pour son âge, mais il lui arrive d'être distant, voire méprisant. Il a un sourire suffisant quand il croit avoir raison. Mais je crois qu'il nous sépare à la durée réalité. Non, je crois qu'il nous prépare à la dure réalité de la vie d'artiste. J'ai l'impression qu'il comprend véritablement mon travail et mon obsession pour le format analogique. Il insiste la vie d'artiste. Exactement. Il insiste pour que je participe au concours Héros du quotidien, mais jusqu'ici, j'ai réussi à esquiver. Attends, le gagnant ira à San Francisco pour représenter l'Académie Blackwell et se faire connaître au niveau natal. J'aime à penser que mes photos sont assez bonnes pour remporter le concours et je suis flattée que Jefferson me pousse à participer. Ah bah, sous BK, je te laisse lire la suite. Lis pour Kate. Non, désolée. Allez-y. Moi, je vais attendre que tu lises. Non, je dois lire là, je sais pas. Je sais pas si j'ai déjà vu Kate Mash. Je fais exprès là. Kate Mash, ne serait-ce que sourire ce mois-ci, elle est vraiment mignonne et sympa. J'abuse. Mais lisons correctement. Mais les autres élèves la harcèlent à cause de sa campagne sur l'abstinence. Pour des terminales, ils sont vraiment immatures. Je sais ce qu'elle fait. Je sais qu'elle fait partie de la groupe de... religieux, d'accord. Groupe de religieux. Mais elle n'essaie pas de me convertir, alors ça ne me dérange pas. D'accord, bon bah c'est te convertir pas. Elle est encore plus refermée sur elle-même récemment, comme en mode zombie. J'aimerais pouvoir l'aider, mais j'ai mes propres problèmes. Elle a peut-être raqué à force de subir des moqueries des autres. Ça m'étonnerait pas. Je devrais lui parler je devrais lui parler plus et l'inviter à boire un café ou voir un film. Malgré ses 18 ans, elle ne doit pas avoir le droit de regarder des films d'horreur. Dommage. Je te laisse Alors... la suite. Ah oui, super. Ok, dernière personne, c'est Victoria Chase, l'élite de l'Académie Blackwell, une connasse de première. Je déteste dire ce genre de choses, mais je ne comprends pas pourquoi une fille aussi riche et jolie ressent le besoin d'être aussi odieuse. On a 18 ans, on devrait être en train de devenir des artistes et des érudits, pas des stars de la télé-réalité. Elle en fait des tonnes, c'est la Victoria Show. Elle perd même son temps à se moquer de moi en classe et à embêter Kate. Sérieusement, si ses parents pourraient la voir, elle lui couperait les vies.
Il lui couperait les vivres vite fait, bien fait. Mais en même temps, elle fait partie du Vortex Club et le Vortex Club fait la loi sur le campus, donc je suppose qu'elle s'en fout royalement. Bizarrement, elle s'y connaît vraiment en art et en photographie. Elle sait même prononcer tous ses noms à coucher dehors. Son travail est un peu froid, mais elle a du talent, c'est sûr. Elle a aussi quelque chose pour Monsieur Jefferson, c'est si évident, ça fait peine à voir. Elle se frotte pratiquement à lui, c'est ahurissant. Mais lui a l'air de garder ses distances. C'est clair Se qu'elle est frotter? prête à tout pour gagner le concours héros du quotidien. Je parie qu'elle ne supporte pas être confrontée à quelqu'un qu'elle n'arrive ni à séduire, ni à acheter. Ah ah ah. Ouais, elle le veut dans sa poche, quoi. Ah mais il y a des moments où se frotter, c'est pas bien. Oh, papa, il m'a C'est pas envoyé un très salutaire. message. J'espère que tu fêtes tes 18 ans en beauté. Tu seras toujours notre petite fille. Regarde ton compte, ne dépense pas tout d'un seul coup. Merci. Kate, elle m'a envoyé des Va voir messages. ton compte. Ah, salut Max, t'es dans le coin? Oui, toujours ça va? Tu veux qu'on se prête un thé tout à l'heure? Tu veux qu'on se prenne un thé tout à l'heure? Parce que prêter un thé, ça le fait pas trop. Ouais, je suis libre vers 4 Bah, heures. ça se Ok, trouve, ils vont se pas prêter plus. leur tasse de thé. Ça me fait rire. Joyeux anniversaire, Maxine! Incroyable, déjà 18 ans. Que tu as vu le jour, ma chérie. Quel bonheur de t'avoir. Bise. Bise. Bise, je suis désolée, je suis ta fille quand même. Grave. Eh, je lui ai pas répondu. On se retrouve à la cafétéria après les cours. Il me faut une excuse pour pas réviser. S'il te plaît. Regarde Nec Romantique sur ma clé USB. Mouahaha. Mad Max, tu viens, on va faire péter des trucs. Ah non, attends, je dois réviser pour un partiel de physique. Si on trouve un truc à faire exploser, on mesurera sa vélocité. N'ignore pas ce message. Alors, elle a pas répondu, donc c'est pas très gentil. Book, or even Ça se trouve, c'est un portable. online. Ça sonnait, c'est bon, moi je me casse. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Ok. Victoria doesn't waste a second kissing Regarde ass. là, regarde là. Elle a dit c'est une lèche-cul. Even her school books are gift wrapped. I can't believe she. Of course, Victoria has to have the bestest new. Ah, moi I should have j'utilise, known. hein. She'll have better equipment than Blackwell. Eh ben, regarde ce qu'elle a, elle veut acheter. Bon, j'espère qu'elle va pas me venir me. Oh, un ordinateur. Obviously, Blackwell spent bank on the computer. Looks like somebody was already working on this. Cool. Grave. Salut, Kate. Kate looks so sad and quiet today. Poor thing. Kate. Oh. Hi, Max. Hi, Max. J'espère que je ne t'ai pas gênée. Tu es silencieuse aujourd'hui. Moi, je la gêne pas. C'est quoi ces yeux? Just T'as vu? thinking too much. Ça se trouve, on la torture. I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Would you want a cup Sure. of tea? Bon. T'as vu, elle a fait un petit accent. On va regarder ce qu'elle a écrit. Now I wish I wouldn't have read this. Oh! Purge. Cher Kate, on adore ton film porno, gros bisous, l'Académie Blackwell. Oula. Oula. Ça se trouve, elle a fait une sextape qui a tourné. Je pense. This might make Ou a cool peut-être, shot. juste, ils ont envoyé ça pour la faire. Watch her Amber forever. Ok. Oh. Even in pictures, the forest around here always looks mysterious. You can never escape the lighthouse here.
Oh, moi je vais regarder son appareil photo. Wow, Mr. Jefferson is not messing around with that monster. Je suis grave intrusive. He probably paid 20 grand for that camera. Elle a quoi? Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. Salut. This is ridiculous. I always get so shocked. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Ooh, jalousie. Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than Elias. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch-up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Nice. Il est gentil, hein? Merci, monsieur. Oh, ouais, il a l'air, hein? So cool that we can check these out anytime. The Decisive Moment by Henri Cartier-Bresson. That's rare. Moi, je pars. Any... You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. You always... Welcome to the real world. Just cute? Hot. Then I might send you a special picture. I'm not paying $150 because Max wants everybody to see how cute she is. He plays it so sharp. I need a serious timeout in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. I hate that glass. It's so fucking boring. Petit placement. She's so fucking shy. Petit placement de produit. Personne l'a capté. T'as vu? Ça se voit pas du tout, hein. Je vois pas de quoi tu parles. Oh. Et hop, censuré par YouTube. Je pense que ça doit être une musique libre de droit, non? Peut-être. Je ne sais pas. C'est pas grave. Evan doesn't say much to me, but his Alyssa is always texting, but she doesn't hang out with a lot of people. To all of you. Yes, this poster must stop bullies dead in their tracks. Imagine a world. That's Dana talking to you. I think his name is Justin. Dana is on my floor too. She's such an archetypal, gorgeous cheerleader. They must make them in a factory. I shouldn't be so catty. Dana is nice to me. Stella is always deep in her notes. She didn't come to Blackwell to mess around. Oui, t'es qui toi? M'a poussé comme ça. I've seen Brooke hanging out with Warren. She seems like his type. I hate bully jockstraps like Logan. Auntie's a Vortex Club member. Poor Daniel, he's so nice. I wish I could beat the shit out of Logan. It looks like she's been gone for months. Alors, perdu à Casabay. Vu pour la dernière fois à Cardia Bay, date de disparition le 22 avril 2013. Autre, âge 19 ans, taille 1m65, poids 50 kg, cheveux blonds, yeux noisettes. Tatouage de dragon sur le mollet, une étoile à l'intérieur du poignet gauche. Rachel Amber, 19 ans. Appelez si vous avez des informations. Shérif d'Arcadia Bay, 555 388 61. Don't need a PC, missed the Poetry Jam tryouts, and I did not steal that backpack. Walking around my own place. That's so messed up. I should contact them to find out what I can do. As if I am. Au cours des 10 dernières années, le changement climatique a eu un impact monumental sur la faune terrestre et aquatique littorale de l'Oregon, ce qui est en grande partie contribué au déclin de la pêche, en particulier à Arcadia Bay. Combattez la pollution et sauvez le patrimoine historique de votre ville. Arcadia Bay a besoin de vous.
don't need a PC, missed the Poetry Jam tryouts, and I did not steal that backpack. Oh, moi je prendrais bien une petite boisson. They should just call it a sugar machine. That would be awesome if you put money in there and a bag of sugar drops out. Ah, up. Bah elle a pas l'air d'aimer. Good thing I'm with my AK at home. Principal doesn't come out of his office much. Rachel Amber, she's so pretty. Miss Grant is a great science teacher. How many students ever actually memorize all this shit? I guess we all should these days. There's the lighthouse again. Je regarde un peu tout, hein. Je sais pas yeah, si ça te Halloween, dérange. My favorite time of year. Bah, il faut bien tomber à terre. To all of you, American girls, he's cute. I like skater boys. Too bad they don't like me. Without you, American girls, I'd like to be part of the world around you. Driving a car by the seaside, watching the world Samuel. God, Samuel is such a weirdo. But I kind of like that about him. Figures Juliet will be dating Zachary. Jocks sucked up in the Vortex Club. There's Juliet from my dorm. Yet another Vortex Club disciple. Ah! Il y a des toilettes, enfant. American girls in the moon. Empty, good. Nobody can see my meltdown, except for me. Now, who would bother to write that crap? The last time I got a flu shot, I got the flu. Fuck you. Ok, bon bah voilà, vaccin contre la grippe, hop. J'ai envie d'aller aux toilettes. Je vais aller aux toilettes. Ah. Je t'en prie, va faire pipi. Je peux pas. I remember when somebody punked the alarm last month. At least I got out of science class for that quiz. This poster must drive people to have sex. L'abstinence renforce les liens du cœur. Il est possible d'aimer et d'apprendre sans relation sexuelle. Le temps est, notre, est de notre côté, le bon sens aussi, servez-vous-en. Qu'être mu ses fesses pour Dieu. Putain, chaud. Franchement, aucun respect les gens. Ah non, clairement pas là. I'm good to flow. Thanks. Okay. Bon, moi je vais dessiner, hein. I feel like the universe is taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Am I going crazy? Est-ce que je deviens folle? Allez, on va mettre un peu d'eau. You are crazy. Yes. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Fuck it. Effet papillon. When a door closes, a window opens. Or something like that. Franchement, l'effet papillon, on l'a vu partout, j'ai l'impression. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. C'est vrai. On pousse le même à chaque fois. Whoa, where did that butterfly come from? Une photo. It doesn't look like any kind I've ever seen before. The blue wings are practically glowing. I can almost feel the air moving around me. The butterfly feels almost like a spirit. It's cool, Nathan. Don't stress, you're okay, bro. Just count to three. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up.
You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this, bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk-ass who begs like a little girl and talks to himself! You don't know who the fuck I am or who you're messing around with! Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do! I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho!